team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je voulais vous montrer mes soldes chez Mango. Et plus spécialement, et plus spécifiquement Mango Outlet. J'ai craqué le slide, je vais vous montrer ça, hein. Si j'y arrive, aïe 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 aïe, et voilà, regardez, regardez la taille du carton s'il vous plaît. Donc je vais essayer de vous faire cette vidéo, les enfants à côté c'est des furies. Du coup j'ai pris, je crois que j'ai fait 2 ou 3 commandes, je sais pas, je crois que je les ai fait en 3 commandes, mais en tout cas il y avait des pépites, je vais vous montrer ça. Je pense pas avoir le temps de vous filmer les essayages. En plus, j'ai plus de batterie. Mais peut-être la prochaine fois, ok? Donc, ça va être super rapide. Parce que voilà, ça fait un moment que ça traîne et il faut absolument que je vous les montre. Donc, ici, dans un premier temps, nous avons un pull. Celui-ci, c'est Made in Portugal. Je l'ai pris en taille XL. Voilà, un pull, un petit col. Celui-là, je le mettrais plutôt, vous savez, sous un blazer, il est sympa, hein. Sous un petit blazer comme ça. Voilà, il est pas trop court, pas trop long, manche longue, il est sympa. Ensuite, j'ai craqué pour 2 pulls, je les kiffe. Ils sont un petit peu crop top, hein, donc si vous aimez pas, voilà, passez votre chemin. Donc je l'ai pris en vert, comme ça, en maille verte. Ça, je le porte moi avec un pantalon taille haute. Voilà. Et pareil pour celui-ci en lavande, il est trop trop beau, c'est pas réellement le même, parce que vous voyez l'autre il a un petit col comme ça, je dirais cheminée, et celui-ci pas du tout. Mais j'adore ce lilas là, il est trop beau avec un pantalon blanc taille haute, et vous voyez l'autre il est tressé, et celui-ci il est tressé mais qu'à moitié. Voilà, ils sont super doux, ils perdent un petit peu de leur poil, mais sinon franchement ils sont super beaux. Ensuite j'ai pris 2 robes, elles coûtaient même pas 10 €. La première c'est celle-ci. Voilà, un petit peu chiné en XL, c'est la... De toute façon, je vous mettrai les liens. Manches longues, alors elles sont assez fines. Hein. Voilà, donc soit vous pouvez les porter comme ça, je dirais en intersaison, entre au printemps, entre le printemps et l'été. Soit vous pouvez bien évidemment mettre des pulls, des cabans, ce que vous voulez. Donc celle-ci, elle est assez simple, c'est juste ici, vous voyez le col assez carré qui est sympa. Donc je l'ai pris en XL et l'autre, c'est celle-ci, ça fait longtemps que je voulais la prendre. Une marron chocolat comme ça. Boutonné tout à l'avant, manche longue et avec un col rond taille L. J'ai pris ce top, il est pas mal mais sans plus franchement, hein. Ça me fait penser à l'automne, il est assez crop top, vous voyez, si vous aimez un petit peu les hauts, un petit peu crop top, mais voilà, il est élastiqué au poignet, élastiqué un petit peu ici. Moi je suis pas très fan, mais bon après avec un jean taille haute, il me semble que j'en ai déjà un en plus dans ce style là, franchement je sais pas. Bref, et j'allais pas retourner juste ça. Et je l'ai pris en taille L. Ensuite, j'ai pris, je le kiffe, ce fuseau. Vous voyez? Je l'ai pris en taille L. Il est élastiqué. Hop, et ce que j'ai adoré, regardez, vous vous rappelez de ça à l'époque? Donc, tous ceux qui sont nés dans les années 80-90, normalement. Enfin, je dirais début années 90, ça on l'a connu hein, dans les chaussures. Et c'est top, parce que t'as pas le pantalon qui remonte. Génial, franchement, je le kiffe. Ensuite, j'ai fait une super belle acquisition, un caban, il est magnifique, je l'ai eu à peine 60 €, donc moins 50 il me semble, en laine recyclée, je l'ai pris en taille XL, il est noir, il est tout simple, mais il est vraiment très très beau, il tient bien chaud, vous voyez, il est doublé à l'intérieur avec des petits liserés bordeaux, hop, vous avez bien évidemment des poches, et vous avez des petits boutons ici, franchement il est super sympa. Il est super beau et vous avez une ouverture à l'arrière pour pouvoir marcher. Ensuite, en jean, j'ai repris celui-ci. Voilà, parce que je l'avais, il me semble, en 44 et il me va grand. Du coup, je l'ai pris en 42, non. J'ai pris ce jean-là. C'est un mom confort et je kiffe. En fait, c'est un petit peu comme celui que j'ai, mais un petit peu plus délavé. Je kiffe les moms. Je trouve que c'est les jeans qui me correspondent le mieux, qui flattent bien ma silhouette. Ensuite, j'ai craqué pour un petit gilet comme ça en maille jaune, magnifique également avec du blanc, un jean clair, je kiffe, trop trop beau, ou même sur des robes, hein. Des robes satinées, ou même une des robes que je vous ai présentées, why not. Ensuite j'ai pris ce pantalon là, un pantalon à pince bordeaux, il est trop beau, il est long par contre, hein. Moi je fais 1m71 et il tombe vraiment bien, et il me semble qu'il y a un vert olive, vert bouteille, vous voyez, pantalon à pince, très très classe je trouve. Il est super sympa, je l'ai pris en taille 44, mais 42 aurait largement suffi. Bon, c'est pas grave. Avec, j'adore le porter en fait,
parce que je l'ai déjà portée une fois, avec cette chemise là à fleurs. Elle est trop mignonne et ça me fait penser à l'automne quoi, au jour grisâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est super sympa celle-ci et je l'ai prise en taille L. Super mignonne. Ensuite, j'ai craqué pour un pull noir tout simple à mettre dans un jean avec un blazer. Vous voyez, vous avez des petits liserés là, voilà. Tout simple, hein, ça fait office de tricot de peau. Hein. Hop. Ensuite, j'ai craqué pour cette robe. Celle-ci, je vous l'ai déjà montrée portée sur Instagram. Elle est super sympa. Elle est noire. Vous voyez, satinée. Et elle se boutonne et elle est assez longue. À porter avec des Converse, des chaussures un petit peu plus classe, ce que vous voulez. Et celle-ci, je l'ai prise en taille L. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, ça c'est un gros coup de cœur les filles, mais j'ai pas eu l'occasion encore de la porter. Je vous disais, une super belle combi, un petit peu vert foncé, hein. Voilà, elle est super sympa. Alors comme ça, elle ne paye pas de mine du tout, parce qu'en plus, elle est toute froissée. Donc ici, on a une sorte de cache-cœur, là, croisée. Ici, on peut la resserrer sur le côté au niveau de la taille. Enfin, sur le côté à la taille, quoi. On peut la resserrer. Ben, pourquoi j'en ai qu'un? C'est bizarre. Ah, voilà. On peut la resserrer ici et faire un petit nœud sur le côté. Et après, voilà, ben, ça part... Ouais, c'est assez long et un petit peu évasé. C'est long et assez évasé. Donc voilà, moi je l'ai prise en taille, XL, celle-ci. Elle est super sympa. Ensuite, j'avais pris ce jean, mais franchement, je regrette. En fait, je sais pas, je trouve que ça me sied pas du tout cette fermeture là sur le côté. Alors, je pense que je le mettrai sur Vinted. Si tu me suis pas encore sur Vinted, tu as le lien de ma boutique directement en barre d'infos. Donc n'hésite pas. En fait, ça donne un truc comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez, sur le côté. Bon, j'ai beaucoup aimé la couleur, mais j'avoue que je sais pas pourquoi. Il est assez large en plus. Ouais, il fait même pas de def. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce jean, mais bon. Tiens, des fois, il est sympa sinon. La couleur est bien, mais c'est un petit peu la coupe qui m'a refroidi. J'ai pris deux pulls. Alors, j'adore les pulls chez Mango. J'ai pris celui-ci en taille... J'ai pris celui-ci en taille L. Donc c'est un noir tout simple. Ouais, mais vraiment tout simple. Hein. Il est assez long. Je kiffe ça. Vous pouvez même le mettre en fait avec le cycliste que je vous ai montré juste avant, vous savez. Vous pouvez le mettre, ça passe crème. Et ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci qui fait un petit peu esprit marinière. Hein. Avec des grosses bandes. Je kiffe. Il est super doux. Il est pas trop épais, mais il tient chaud. Il est super beau. Donc noir et blanc. Et celui-ci, je l'ai pris également en taille L. Et il ressemble un petit peu au précédent. Il est bien long. Il est trop doux, il est trop beau. C'est vraiment le big mega haul là. J'ai pris un autre mom, exactement le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en couleur brute. J'adore, je vous ai dit, cette coupe de pantalon. D'ailleurs, je l'ai portée là aujourd'hui. Et je l'ai pris comme ça. Par contre, pourquoi j'ai pris 44 ? Je sais pas ce que je fais, parce que là c'est 42. Bon, en sachant que c'est absolument pas extensible. Hein. Mais bon là, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, donc voilà pour la couleur. De toute façon, ça se porte loose, j'aime bien le porter loose moi. Voilà, avec un tricot près du corps. Hop, et des... un blazer et des Doc Martens par exemple. Dernier jean, c'est pareil, hein. C'est encore un mom, mais cette fois-ci en 42, et je l'ai pris en gris. Il me semble qu'en fait, je l'ai pris dans toutes les couleurs possibles, vu que j'adore cette coupe, tant qu'à faire. Ouais, et comme il était soldé, voilà, et je kiffe le gris, là, vous le savez, hein, en automne-hiver, c'est une de mes couleurs favorites. Voilà, ça change du noir, et il est super joli, je trouve. On arrive à la fin. Avant-dernier article, c'est un ensemble que j'ai eu pour pas cher du tout. Hein. Il est blanc cassé, il est super mignon. Alors, je l'ai pris en taille XL. Là, on a le pantalon. Vous voyez, si vous voulez chiller à la maison ou même sortir, faire les courses et tout, mais en mode détente, je l'ai trouvé super beau. Il me semble qu'il y a une autre couleur aussi. Et avec, nous avons le pull comme ça. Vous voyez, ça fait chic, classe, mais simple, quoi. Et lui, je l'ai pris en XL également. C'est super mignon. Vous voyez, hop, vous mettez ça et ça, vous mettez une paire
de basket. Et moi, je le trouve super joli. En plus, ça tire bien la lumière. Et enfin, dernier article, c'est une robe. Petite robe verte avec des fleurs jaunes, on dirait. Ouais. Ça fait très, 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 très automnal. Elle est fine, hein. Elle est élastiquée ici au niveau des... À chaque fois, j'ai envie de dire des manches, mais des poignets. C'est un col V comme ça. Du coup, moi, des fois, souvent, je rajoute, vous savez, un petit bouton pression. Sinon, on peut mettre un col roulé. C'est resserré ici à la taille avec un élastique assez large. Je ne sais pas si vous voyez. Après, ça part en évasé et elle est assez longue. Ça, j'adore avec des bottines, des bottes, un perfecto. Même un pull, vous savez, vous mettez une ceinture à l'intérieur. Vous mettez un pull et vous faites passer le pull dans la ceinture, en fait. Ça vous fait comme un crop, un pull crop top. Et je trouve que c'est très très joli en fait. Voilà, ou même un gilet, hein, ça pourrait le faire. Donc voilà la team pour mon big haul Mango. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce que je vous ai présenté. Quelle pièce vous a plu dans mon haul. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.